Eh bien salut tout le monde, c'est Xibune, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de The Witcher 3. Donc là, on va partir aller chercher le chasseur qui avait vu comment s'appelle le griffon, parce qu'on va le commandant connaît Yennefer, mais il ne veut pas nous dire où est-ce qu'elle est. Okay. Allons-y. Hop là. Ah, les bugs, pas très grave. Ça et ça. Non. Map. On y va. Voilà. Au galop à Blette. Blette. Ah, donc j'ai tout vendu de poulet. Ah, c'est les items et tout qui m'avaient. J'avais looté dans le dernier épisode. Let's go. Vous voyez ? Y a quelqu'un ? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Missla vient de partir. Hop, allons-y à pied. Ah, il y a. Bonjour Missla. Bonjour. On va se faire attaquer. Vous êtes Missla? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. En argent? D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens. Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Comment je fais? Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Et ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Okay. J'ai vu que des loups, donc... Trop tard, ils ont encore frappé. Et eux? Ça, c'est niveau 1. Oula, il a frappé sur. Ok. Attention. Défonce, c'est sûr. On peut avoir un arc aussi. On peut avoir une arbalète. Bêtise. Chien. Dieter. Vous le connaissez? Mon frère. J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le griffon? Oh. Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Ils tous vont se faire défoncer.
Allons-y. Hey, 17h17, 18. Dites le temps. Alors que je m'étais mis à midi pour commencer. On peut méditer et en gros, on va passer le temps. J'ai mon casque. Slave. Ah, ils sont là. Non, ça c'est du pissage de sang. Il n'y a pas le corps. On y est. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Marrant. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. Ouais, j'espère pour vous. J'ai jamais tué. Bonne chance. Garpier et tout, mais... griffon. Ouais, c'est parti. Alors. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Décapité. Le sol est noir, gorgé de sang. Ouais. Un campement. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Ouais, c'est un petit problème. Il y a des loups. Je sais pas quoi comme connerie. Ah, en dessous il y a un truc. Ah non, c'est juste des caisses. Je vais prendre. Oh, c'est fort. Allez, hop. Je crois que c'est un gros. Ils sont dans le coin. Oh, quel monde de bâtards. Putain, c'est trop stressant. Tu sais qu'ils sont là, mais tu les vois pas. Ah, ils s'éloignent. Allons-y. Je me mets encore en haut. Hop. Parti loin, celui-là. Truc là-haut. Ça va. Plus de peur que de mal. C'est que... riche, ouais. Et bah, il est où? Ah bah, il est pas. Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ah bon? Oula, il se fait défoncer. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. What? Il est mort? Ah, ça doit être sa femme ou un autre. Donc, je pense que quelqu'un a dû le tuer. Et donc, une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Examinez la blessure. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. C'est trop stylé, tu regardes comme ça. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. C'était rare, je sais pas. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Ok. Bon bah... pension qu'on va si je vais tenter ça sur une seule forgeron. Ouais, j'ai avoir un tour pour l'armure parce que je sais pas mes stats. Ah, stats personnage. C'est quoi ça? Chimie, signe, technique, c'est quoi? C'est pas mal. De mitagène. Je pense que je vais prendre ça. J'ai pas de cœur d'arbatte, j'aimerais bien en avoir. Ouais, je vais prendre 500 points de vitalité maximum.
jet de vie. Mais 500 points, je pense que ça me paraît énorme. Attendez. J'ai vu. Ah oui. J'ai beaucoup de HP en fait. Il faut pas mal de coups pour me tomber en fait. Comme c'est que j'ai la magie. C'est un site d'énergie. C'est quoi tu... Point de compétence. C'est âge. Je peux mettre celui que je veux du coup. Là, technique. Voilà. Ah ouais, il faut débloquer des niveaux. Oh, merde. Bah, au pire, je mets celui-là au début. Comme ça, je régène ma vie. Et après, quand je suis full, je vais remettre l'autre. J'y vais à pied. Du coup, la paix à blef. Hein. Hop, c'est parti. Rapide. Tac. Je sais pas s'il y aura des grandes villes et tout, j'aimerais bien. Enfin, j'ai vu ça dans le trailer, donc il doit y en avoir une, mais c'est pas dans la même chose, ce qui est normal. Même des compagnons, c'est ça. Des potes avec. Bestiole là-bas, c'est bête. Oh chien. Il se dépasse, vas-y. Ouais, je me taille. Refitting, c'est des loups. On se taille. Pas si vite. Ouais, attendez. On va faire ça parce que... Voilà. Plus vite. Et je joue à côté des loots. Pauvre gosse, si le joueur il va se faire aggro. Il va faire, ah, mon fils c'est mort. Ouais, leur sorcellerie était pas assez fort pour tuer trois pauvres loots. Bug de map. Oh. Doucement. Et là au moins. Le mec qui rentre comme ça. Ah. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je peux la sauver, moi? Je pourrais lui faire boire une de mes potions. L'hirondelle peut enrayer les hémorragies internes, mais... Mais? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je pourrais essayer, hein. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Saar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Ymir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans la rue. Il n'y a que des exécutants. Ouais, alors cool. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon.
Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Est-ce que je peux pas la sauver du coup, essayer. Ouais, une dose d'hirondelle. Oula. Ça va ? Attends, on va chercher comment on fait. Alchimie. Ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Potion. Cerveau de noyeur. Oh ouais, c'est pas pour ça que je vais être quoi. Fuchée Lidwen. Cerveau de noyeur. Ouais, c'est bon. Ouais, je vais juste checker dehors sur Fuchée Lidwen. Pas tout volé quand même. Je suis sûr. Ça se trouve chez Idoine. Ah. Non. Il veut sauver quelqu'un, il sait même pas comment ce qu'il faut faire. Je suis le pire des sorceaux. Pas du plantain chez Idoine. Oh. Oh putain, il y en a fait un. Je crois que je vais me faire un rasoir sur toutes les plantes que je trouve. Ah. Je vais m'emmerder. Hein. Je crois que c'est ça. Bon, ça c'est le vert rouge. Après il faut un cerveau de noyer. Donc... Je me tire, je déconne. Vous êtes trop fort pour moi. On se tire. Ça va devenir putain un blette. C'est ça. Ouais, battez-vous pour moi. Ouais, je dois trouver du Shelidouane. Ouais, je ferai ça putain. J'espère qu'il crèvera en 30 secondes. Enfin, la mission est meilleure, je pleure. Ce sera de ma faute. Là, c'en est. Il m'en manquera une. Je vais checker une feuille là-bas et puis de toute façon ça je vais juste le cerveau de noyer à trouver. On aura potion. J'ai Lidwane. Ouais, je prends une autre quête du coup. Bon du coup il y a des noyeurs donc. S'il y a des noyeurs, ça peut être pas mal, ça je peux la dire quoi. Pff, j'ai fait au pif. J'ai pas vu, du coup j'ai vu que j'avais looté tout ça, je fais pas. Oh. Je trouve ça stylé. Allez c'est parti. Les noyeurs, je sais pas si on m'éclate. Est-ce que je ferais pas une petite Allez. Éducation avant. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que voilà, Tipok d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. Tipok d'un coup. Et j'ai attrapé ma poêle pour me défendre. Mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon. Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. Mais j'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard ? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui,
et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Je prends les steaks. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que... que mon type est encore à l'intérieur. Oui, je vais péter ta porte. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Je vais sauvegarder. Je me suis fait éclater. J'ai plus de vie. Je vais sauvegarder, moi. Attendez, il faut que je range quelque chose. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Sa gorge. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Il a été garrotté. Rien. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Les documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Ouais, t'as fouillé. Ah. Salope. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle. Pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Ouais, ouais. Sans jeu de tout. Ouais, ouais, ta poêle, je l'ai. Ah. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Oh, c'est une suite de quête. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Je vais me faire dire... Ouais. Je crois que j'ai mis une quête aussi nulle à chier. Oui, il faut que j'arrive au matin. Comme ça, ce sera plus simple. 5 heures. Voilà. Je pense que ça va être de la merde. Hein. Ah ok, je me suis bloqué. Ah, on est parti. Il y a plein de trucs. Plusieurs où j'ai vu un coffre. Voilà. Et je vais tout prendre après, tout me équiper. Je vais prendre plusieurs, encore trois. Pas de problème. Une épreuve. J'en ai plus. J'ai oublié. Non. Plus ça sentira fort. Ouais mais... Oula, j'ai trouvé moi. Vite, remonte, Gérald. Oh, putain, c'est chaud. Je ne peux rien faire de plus. Il
faut que je parle à Vesemir. Mais il avait pas dit que c'était censé attirer le griffon direct. J'ai peur du coup. Attendez, on va équiper un peu tout ce qu'on a trouvé. Merci quoi. D'accord, 24 et un souci à tranchant. Ouais, mais ça c'est les monstres. Pantalon. Perforant, tranchant, je pense que la dégâts monstre. Même pas. Je vais prendre celui-là. Résistance contendant tranchant. Ouais, plus je gagne un d'armure, ce qui est pas... Je pense qu'il est cool. P. Torayenne 25-31. Elle est pas mal. Moins 2, je sais pas ce que c'est. Je vais la prendre. Merde. Hop, allez. On va y aller à pied, il est pas loin, les amis. Tac. Putain, je suis comme à oublier. Le fils du peuple. Hé, attention. Je pensais qu'il y aurait eu des noyaux. Pour avoir vraiment... On aurait pu la sauver direct, la petite fille. Léna, je crois. Je pense qu'on la tuera. Voilà, je peux prendre la quête tout de suite, c'est pour avoir la poêle encore, et c'est mort. Allez chercher mes pommes dans le jardin. Bon, dites-moi mon brave, à qui appartient ce champ de l'autre côté de la rivière? Ah, ça? C'est le champ de Boyan Klimik. C'est un bon gars, mais... Juste prendre ça. Oui, réserve. Juste tout mettre, ce qui m'intéresse pas. Je vais quand même garder ça au cas où. Non. Tac. Et tac. Et voilà. Tout ça. On va sauvegarder. Je sais. On peut tous les plaindre. C'est encore du... Les amis. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tous besoin de faire appel à un professionnel. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. J'ai pris 7. Tu veux dire que ça pue, oui. Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Allons-y. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Alors, ferez-vous une potion de tonnerre? Potion de tonnerre. F. Ok, donc j'appuie sur F. Si jamais j'ai faim, j'appuie sur R.
Ma grand-mère m'a parlé de la différence des genres, il est limite pour aller boire une potion. On peut pas la boire en fait en combat. Il y a plusieurs potions qu'on devait aller boire, il fallait être sûr que en combat. Il a des pousses. Qu'est-ce que tu veux? Dans le 2. T'en buvais plein et. Mais bon après il fallait que tu sois en combat direct. C'est pas drôle. On se garde vite. Ouais. Dunaire, Ablette. Ah ouais, je suis là. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens. On va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Je vois pas venu le griffon. Tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Comment ça? Ouh. Oh ça je kiffe. Une arbalète? Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Ok. Ça c'est pareil, t'es sérieux? Ah non. Bien sûr. Allez, approche. Alors, chien. Quoi? Merde, ça va. Merde. Mais oh, reviens. On est amis. Non, il se tire. Une petite tapette. Sans ascenseur. Mais ça je m'en fous. Ah il est là-bas. Et ça tirait. Très loin ça. Comment je peux faire pour le tuer?
Oh putain, c'était cool. Ça m'a tellement sauvé. Elle m'a tellement sauvé. Oh putain. Ça va être galère. Oh putain. Man, ça me sauvera bien la vie. Ah. Hey. Oh. Die. Nice. Oh la vache. Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Oh, clairement, oui. Vas-y, bête-moi, par exemple. Par exemple? Ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. La gêne, ah oui. Tiens. Oh putain, tu es. Putain, j'ai tellement galéré. Un couteau comme ça, tu vas là. Oh wow. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là. Putain, j'ai tellement chié. Et putain, regardez la récompense qu'on va avoir. On y va. Oh putain, ouais, ça va devenir riche. Faire que du chassage de... Chassage. Faire que chasser des monstres. Venir blinder. Ah ouais, non, c'est juste... J'allais, c'est dangereux, il y a un spectre. C'est quoi? Un site d'énergie. Oh putain. Devrait y puiser. Et alors? Personne peut tuer un griffon à part moi, un bonhomme. Voilà, je peux les pousser parce que... En fait, dans leur camp, il y a des trucs à prendre. Ouais, vu que je suis un gogol, j'ai essayé de les prendre. Mais en fait, c'est qu'ils volent, du coup, moi, je me suis mal. On avance. Je continue d'avancer. Il y a des bugs, attendez. C'est de la mettre à jour. La map, c'est déjà pas mal. C'est dur en tout cas. Est-ce que je monte avec le cheval ou comment ça se passe? On l'a pris dans mes mains. Moi. You are in reserve. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Oh, tu veux. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Oh, je vais bien le faire, moi. Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Chien. Attendez! Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Bon, il est gentil. Dialogue, choix, non mais très certain. Bah, qu'on nous mettrait de quoi? Ah, il est en train de faire massacrer. Il est en train de se faire défoncer ou quand je vais regarder. Oh
pour voir si je peux changer d'item. J'ai des nouveaux. Alors, on est... Montrez-moi. Alors. Ouais, mais je peux l'acheter, il y a des nouveaux trucs. Ça a été pas mal. Non. Le moral est bon dans le camp. Ah, ah. Simple cure. Bah voyons. Fou. Adieu. Ah, il est là. Je peux même pas regarder. Donc, bah voilà. Prépare vos cutes blanches. On va appeler le poney. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent. Vous savez quoi, les gens, on va se laisser là aujourd'hui. Oh non, tu en as assez vite, tablette. Je suis encore à la tête du griffon. Au galop, tablette. Bizarre. Moi, oh, j'ai envie de les garder, moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis le cas, c'est pas laisser un petit pouce vert. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.